Notre balade animalière débute au petit matin sur le plateau du Semnoz. C'est dans le brouillard qu'Elodie rejoint Frédéric et ses trois chiens. Ouais. Et voilà Frédéric. Salut les chiens. Ça fait peur. Oh bah attends, c'est quoi ces chiens? Bonjour. Bonjour. Salut, salut. Comment ça va? Super. Aujourd'hui tu fais du ski de rando dans les nuages quoi. Voilà, on s'entraîne un petit peu. Il y a beaucoup de brouillard. J'ai pas le droit de parler à Frédéric. Comment s'appelle lui? C'est petit ange. C'est petit ange, t'arrêtes pas de parler comme ça. Mais dis-moi, il n'y a pas un intrus là parce que je connais les huskies. Voilà. Mais là, il y a un border collie. Je vais lui casser les gemmes du border collie, prouver qu'il n'est pas fait que pour les moutons. Ouais. Ton équipement il est spécial en fait. C'est des skis. Ouais. On a une peau de phoque en dessous, une peau synthétique. Jaune, qui n'est pas du phoque, hein, je vous rassure. Non, hein, c'est, maintenant c'est terminé. Hein. Donc c'est impossible d'aller en arrière. Par contre, très très bonne glisse en avant. Bon, alors ça c'est la partie technique. Maintenant, voilà. La partie avec l'animal. Le chien est une aide précieuse pour toi. C'est vraiment une aide musculaire. Comment s'est créée cette histoire d'amitié, d'amour avec ces chiens? Comment tu les as eus? Alors, le tout premier, c'est Ange, le gros. Il ressemble à un loup, lui. Hein. Ouais, le gros. Je suis tombé amoureux de la Grande Odyssée il y a 8 ans. La Grande Odyssée, c'est quand même la plus grande course de chiens de traîneau qui existe en France. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais pas l'argent pour acheter le traîneau, le 4x4. Et je me suis dit, mais pourquoi pas être le traîneau? Et en partant de là, j'ai acheté l'enrouleur. Ça, c'est vraiment le cordon ombilical entre moi et les chiens. Ouais, il y a 2 mètres là, à peu près. Ouais, 1,5 m, 2 mètres pour pas leur blesser les pattes. Cette discipline de ski rando comme ça avec là, ça chien. Fait ça fait maintenant 7 ans que je fais ça. J'ai jamais vu quelqu'un en Haute-Savoie qui fait la même chose. En fait, t'aimerais mettre cette discipline en place? Moi, je trouve qu'un des skieurs alpinistes de compétition pourrait gagner vraiment en temps et en endurance grâce à ça. Oui. Et pour les randonneurs, aller à des endroits où ils n'auront jamais été parce que c'est trop loin. Oui, tu l'as eu à quel âge? J'ai tout ça devant. Et dès le début, le petit harnais. La petite traction tout doucement, 10 minutes, un quart d'heure. Dès qu'il avait le harnais, il savait qu'il devait monter, tirer, en monter. Tu fais des petites pauses et tu leur dis toujours, allez, mange la neige, mange la neige. Voilà, parce que je leur ai interdit de déconcentrer pendant le travail. Donc on fait des pauses, mais vraiment très régulièrement, toutes les 5-10 minutes, quand on est à 2000. Et je leur dis, allez, neige, 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 neige. Et là, ils se foulent dans la neige, ils mangent la neige et puis on est reparti. Ça leur permet de boire aussi, de s'hydrater. Bon, en même temps, les huskies, bon, pas de soucis parce que c'est des chiens du froid. Mais alors, le border collie, lui, il faut pas un équipement spécial. Tout ce qu'il faut faire, c'est couper les poils des coussinets sous les pattes. D'accord. Et de couper tous les poils trop longs à la queue. Et pourquoi tu leur mets des petites clochettes? Bah, comment le brouillard là, si jamais il y a un matériel qui se détache, machin, et qu'ils sont partis, je sais tout de suite où ils sont, quoi. Ils sont sympas tous, ils s'entendent tous bien, oulala, vous allez me faire tomber. C'est des amours, tu les aimes tes chiens? Ah, ils dorment avec moi, ils sont à la maison, c'est mes enfants, c'est ce que j'ai réussi de mieux, vraiment. Bon, vous essayez avec moi? On essaye, on essaye. Attends.